Een goedenavond. Traditioneel zijn Belgische officieren ongetwijfeld trouwe aanhangers van de koning. Maar in hun verering voor de vorst hebben sommigen zelfs gemeend zich aanhangers van de nieuwe orde te moeten betonen. Aanvankelijk was de reden daartoe wellicht al dus vlug naar België te kunnen weerkeren. Maar achteraf, toen duidelijk was geworden dat hun terugkeer zeer problematisch was, hebben ze uit angst als gewezen officier na het einde van de oorlog op de straatkrijn terecht te komen, een plaats onder de nieuwe zon willen veiligstellen. Maar toen de lange lijst van Duitse overwinningen ten einde was en het eens zo machtige Duitse Reich naar de ondergang ging, hebben ze van de nieuwe orde op luttele uitzonderingen na afstand genomen. Ook wat nu volgt is om zeggens geheel onbekend. Maar ook La Grande Muette komt na 40 jaar wel eens aan de praat, ook al gebeurt dat du bout des lèvres. Gaat het hierbij vandaag hoofdzakelijk om Franstalige officieren, dan zullen we niet nalaten in onze volgende programma's steeds met de ons bij wet opgelegde stelregelen van de strenge objectiviteit voor ogen ook in Vlaamse evenknieën de leden van de luitenant de Windekring aan de beurt te laten komen. Ook daarover was tot nog toe veel onbekend. Want het is niet voor niets dat het Belgisch leger La Grande Muette wordt geheten. Ook vandaag worden nu zaken bekendgemaakt door rechtstreekse getuigen uit La Grande Muette. Om te beginnen kolonel Hubert Rombouts, die voor en tijdens de bezetting secretaris van het militair huis van de koning was en aan de kant van het verzet stond. Vervolgens de ons reeds bekende generaal, toen luitenant-kolonel Émile Wanty, die in Duitse krijgsgevangenschap ook politieke ambities kreeg en aan het hoofd van een groep jonge officieren zelfs tot een machtsgreep wilde overgaan om een versterkte democratie onder rechtstreekse leiding van koning Leopold in te voeren. Voorts Frans Hellebout, in 1940 majoor bij het Belgisch leger, die zelfs nog na 4 jaar krijgsgevangenschap dienst nam bij de Waffen-SS in de Waalse Stormbrigade en hiervan de militaire leider werd naast Léon de Grelle als politieke leider. En tenslotte Jérôme Ingels, die als Vlaams voelende beroepsofficier via krijgsgevangenschap officier in de Vlaamse wacht werd. Tot besluit van ons voorprogramma hebben wij erop gewezen hoe generaal Keijaerts de 9e september 1940 door tussenkomst van het hof uit het kamp de Tibor bevrijd was geworden om de leiding op zich te nemen van de dienst belast met de werkzaamheden van het gedemobiliseerd leger, beter bekend onder de Franstalige afkorting OTAD of OTAD. Deze OTAD had niet alleen humanitaire doeleinden, maar moest ook achter de schermen verzekeren dat de koning op de krijgsgevangen officier kon blijven rekenen. Keijaerts en de OTAD lieten zich om te beginnen al hierdoor opmerken dat ze bij het opmaken van lijsten met vrij te laten officieren uit krijgsgevangenschap een en al favoritisme ten gunste van Franstalige adel en hoge burgerij aan de dag legden. Naast de OTAD werd in december 1940 ook een hulpdienst voor de familieleden van militairen opgericht, waarin onder andere de ordonnansofficier van de koning en de beschermeling van generaal Van Overstraten, majoor de Fretteur, na de oorlog in 1946 minister voor landsverdediging een leidende rol vervulde. In de loop van 1941 was de Fretteur aangehouden geworden. En wat had men gevonden in zijn bureau? Mij gezegd is in de tijd waar het identiteitskaarten, blanco of misschien al ingevuld. Vervalst? Ja. En is dan veroordeeld geworden door de Duitse krijgsraad waarschijnlijk? Tot een jaar gevangenschap. En heeft hij die moeten zitten? Hij heeft maar 6 maanden gedaan, toen ze vrijgesteld geweest door tussenkomst van de gravin Ruspoli. Gravin Ruspoli. Maar dat was, laten we het zo stellen, om geen andere naam te gebruiken, de erg goede vriendin van Von Falkenhausen. Dat heb ik dikwijls horen zeggen. Ja. En die hielp de mensen vooral als ze veel geld hadden. Zij liet zich betalen om, dankzij haar bijzondere verhoudingen tot Von Falkenhausen, een aantal mensen vrij te stellen. Te doen vrijstellen. Dat heb ik dikwijls horen zeggen. Majoor de Fretteur was uiteraard niet de enige beroepsofficier die erin geslaagd was in België te blijven en dan tot een verzetsgroepering was toegetreden.
Van de zomer van 1940 af waren beroeps- en reserveofficieren zich inderdaad gaan hergroeperen in allerlei semi-clandestine organisaties zoals La Phalange van de gewezen rexist Xavier de Grunne en ook het Belgisch Legioen. Bij al deze organisaties was het al versterking van de koninklijke macht wat de klok sloeg met uitschakeling van het vooroorlogs parlementair regime. België was volgens deze officieren aan een nationale hernieuwing in autoritaire zin toe. En niet alleen volgens deze officieren en niet alleen in België. Reeds de 21ste juni 40 waren inderdaad een 500-tal Vlaamse en Waalse officieren in het kamp te Rotenburg aangekomen. Ook daar weer scheiding tussen Vlamingen en Walen, druk aanleren van Duits, het oprichten van studiekringen. Wel nu, één van die kringen verdient onze bijzondere belangstelling, namelijk de Cercle de Rénovation Nationale, de kring tot nationale hernieuwing. Einde 40, begin 41 gesticht door luitenant-kolonel Émile Wanty. Volgens sommigen een geboren leider, een toekomstige minister, die nog iets anders kon dan zijn bataljon commanderen. De aandacht van de kring ging naar het toekomstige regime van België. De parlementaire democratie was nog wel te aanvaarden, maar die moest gevoelig verbeterd worden door een aanzienlijke versterking van de koninklijke macht. Studien werden uitgevoerd over de reorganisatie van het transportwezen, de marine, de kolonie, en een lid had zelfs een uniform voor de Belgische arbeider ontworpen. Uiteenzettingen werden gehouden over onder meer de Duitse arbeidsdienst, de nationale opvoeding van de jeugd en dergelijke dingen meer. Waren de doelstellingen van deze kring, samengevat dan, het parlementaire regime moet verbeterd worden door een gevoelige versterking van het koninklijk gezag, geïnspireerd door de corporatieve theorieën van Mussolini en Salazar. Er moest een nieuwe orde komen. Is dat behoorlijk samengevat? Fin 1940, nous voulions absolument comprendre comment était arrivé ce désastre de l'armée belge et de l'armée française, du reste, contre les armées allemandes. Et nous disposions, par chance, d'un exemplaire non expurgé, de Mein Kampf de Hitler. Alors nous avons étudié ce texte pour voir quelles étaient les causes réelles du national-socialisme. Nous avons récolté des bribes de corporatisme, comme vous le dites, chez Salazar et chez Mussolini. Nous avons étudié la situation politique de la Belgique avant la guerre. Et là-dessus, nous avons bâti, n'est-ce pas, une espèce de compréhension, si vous voulez, des événements. Nous avons conclu à une faiblesse inhérente de notre système politique et nous avons conclu qu'il fallait en revenir à l'application stricte de la Constitution en ce qui concerne les droits réels du roi. Le colonel Wanty, qui était un homme très actif et tout, a dit, nous devons tâcher, si on fait un gouvernement en Belgique, d'avoir aussi notre mot à dire. Nous sommes tout de même d'anciens combattants de 14-18, il ne faut pas que tout aille aux politiques. Enfin, tout le monde voulait sa place. Et il a réuni un certain nombre d'officiers où on se préparait donc à rentrer pour former un gouvernement. Mais alors, eux, c'était royaliste avant tout. En second lieu, c'était plutôt anti-flamand, bien entendu. Pas de séparatistes, quoi. Puisque les Flamands s'appelaient séparatistes à ce moment-là, c'était contre le séparatisme. En troisième lieu, ils ne voulaient pas rien savoir du national-socialisme, ils préféraient un sort de corporatisme fasciste, ah, à la manière italienne. Italien. Parce que Marie-Josée était en Italie, et que par conséquent, c'était mieux ça. Hein? Oui. Oui, c'est comme ça que elle ça... jouait un rôle là-dedans. Oui, 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 parce qu'on disait, c'est une princesse belge qui va devenir la reine d'Italie. Donc, il vaut mieux que la Belgique tourne de ce côté-là. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle ils étaient plutôt corporatistes fascistes. Hein? Non, enfin, tout ça était une soupe. Ça, oui, oui. Ça a aidé. Ça a aidé. Quoi? Bref, c'était toutes des idées qui paraissaient donc pas allemandes, donc, mais plutôt italiennes, parce que les Italiens, on n'a jamais eu de conflit avec les Italiens. C'est un beau pays avec une reine qui serait une Belge. Et le roi Léopold, sa sœur, on voyait très bien l'association. L'esprit du nouvel ordre. L'esprit du nouvel ordre. C'était plutôt l'ordre nouveau, mais un ordre qui n'est pas trop compromettant. Er waren nogthans maar slechts een twintigtal leden in de kring van kolonel Wanty.
toegelaten. En er waren daar 450. Toegelaten was zeg, dat was geen meer die daar vragen vroegen. Zou het niet zijn dat men opzettelijk dat aantal beperkte? Men mocht met niet te veel kandidaten zijn voor de goede posten. Dat was natuurlijk concurrentie. Nou. Ah ja. Natuurlijk, dat is concurrentie. Dat komt vanzelf, hè. Ja, ze waren voorzichtig. Ja. Heeft die kring ooit een memorandum naar Brussel gestuurd? Nou ja, dat was zich zeggen, ons recht als officier om deel te nemen aan de opvoeding van België. Hè. België moest weer opgevoed worden. Opgevoed worden. Hmm. In een nieuwe geest. En dan hadden we dan recht voor dat mee te leven. Hè. Ja. Maar hoe is nu de reactie van... De militairen zijn altijd apolitiek geweest. Ja. En ze zijn gewoon in alle legers van de wereld. Ja. Dat zijn weer de politiek, je kan alles doen. Dat is niet de indruk die ik heb opgedaan. Wat? Ik zeg, dat is niet de indruk die ik heb opgedaan. Dat is, geloof dat overal dezelfde. Ja. Waren dus, er bijvoorbeeld in het Belgisch leger voor de oorlog, waren er niet een aantal racisten onder de officieren? Ah, maar ja, ja, maar dat ja, maar je zegt, ze doen niet aan politiek, de officieren. Nee, maar u weet toch zo goed als ja, ik dat voor de oorlog onder de officieren heel wat racisten waren. Hè? Dat zijn uitzonderingen. En dat is altijd mijn voorzichtigheid. Ik weet dat dat wel. Maar hoe is nu de reactie van kolonel Wauty geweest toen hij heeft vernomen dat zijn zoon naar Engeland was gevlucht? Ah, dat is een paniek. Van, paniek? Enfin, il a dit catastrophe qui arrive. C'est ce qui pouvait arriver de plus terrible, a-t-il dit. À moi, il a dit ça à tout le monde. Voilà que j'apprends maintenant que mon autre fils vient de partir pour l'Angleterre. On ne peut pas aider, enfin, c'est une catastrophe. On ne le reverra plus jamais. Enfin, comment mais pourquoi justement une catastrophe? Parce que les Anglais allaient perdre la guerre. Ah, oui. Ils croyaient que les Anglais allaient perdre la guerre. À ce moment-là, tout le monde. Ah, oui. On ne sait pas. Et voilà que ce qui se passait, c'est que les officiers, son fils était élève à l'école militaire. Et il voulait en faire un officier. Or, les Allemands ont fait libérer d'office, dès le début, tous les jeunes officiers qui étaient à l'école militaire. Ils étaient déjà officiers ou candidats officiers, mais les Allemands, on a fait valoir, je ne sais pas quand, qu'ils avaient le droit de continuer leurs études à l'université puisque leur carrière militaire était finie. Et qu'alors les Allemands ont dit, ben oui, ils peuvent retourner à l'université. Mais au lieu d'aller à l'université, voilà qu'il part en Angleterre. Alors lui qui voulait faire un gouvernement national. National. Ben fasciste. Zeker niet alle officieren waren met de stellingen van de kring Wauty akkoord. Na de oorlog hebben verscheidene onder hen Wauty en zijn naaste medewerkers verweten dat zij, zoals Rijksleider de Grel ervan droomde, het Bourgondisch Rijk te herstellen. Sommige officieren getuigden na de oorlog dat u en uw naaste medewerkers van de kring ervan droomden het Bourgondisch Rijk te herstellen. En er was nog iemand die daarvan droomde. Que répondre à ça? Reconstituer l'État bourguignon, ça supposait tant de choses, la défaite de la France, etc., qu'il est impossible d'en... Ja, maar Frankrijk had een nederlaag geleden, hè? Ja, oui. Ja, Frankrijk had verloren, hè? Dus de mogelijkheid bestond, hè? Ça me fait sourire, parce que... Je songe, évidemment, dans nos rêves, nous disions, si on pouvait reconstituer un jour la Grande Bourgogne, n'est-ce pas, qui était aussi autant dirigée contre l'Allemagne, du reste, contre la France ou pour la Belgique. Mais enfin, ce n'était qu'un rêve exprimé en termes un peu naïfs, si vous voulez. Le souvenir que j'en ai, c'est que le mot de Bourgogne, l'idée même du duché de Bourgogne, était honnie par quelques officiers qui ne connaissaient plus très bien leur histoire et qui ne voyaient que le présent avec l'image de Grel derrière et ses bâtons de Bourgogne, et ça influait leur raisonnement. Ja, maar u zelf was toen luitenant-kolonel. Oui. Mag men dan spreken van naïef zijn als men luitenant-kolonel is? Dan is men toch niet naïef, hè? Bah, naïef. Parler du duché de Bourgogne en pensant à sa reconstitution, c'était naïef quand même, hein? Maar er is inderdaad toch gedacht aan geworden in Rotenburg. Oui, qu'on rêvait de reconstituer l'ancienne Lotharingie. Ça, c'est vrai, ça. Dat jullie daaraan dachten, de kring bedoel ik. On y pensait, on en parlait de ça. Que ça aurait été une bonne chose si le duché de Bourgogne
La Londres, oui, avait été reconstituée dans ses limites anciennes ou approximatives. Ça, c'était vrai. C'est une vue d'esprit, hein, comme maintenant qui en parle maintenant. Einde 40 dachten vele officieren dat men, vermits de oorlog nu toch gedaan was, moest denken aan de plaats die België in het nieuwe Europa zou innemen. De kring van Wanty vreesde dat de Duitsers na de oorlog een regering van stroommannen en opportunisten in hun dienst zouden opdringen. Wanty wilde met enkele zogeheten heldere geesten, die de koning trouw waren gebleven na het einde van de vijandelijkheden, een nieuwe regering vormen. Volgens sommige officieren zou hij in de loop van 41 aanmoedigingen uit Laken hebben ontvangen. De beschermeling van generaal van Overstraten, majoor de Fretteur, zou Wanty en andere officieren herhaaldelijk hebben aangespoord het geweer van schouder te veranderen. Van generaal Wanty kregen we geen verklaring los. We moesten dan maar zelf naar een verklaring zoeken. Tegen Duitsland had men in de meidagen van 40 het geweer al gericht. Als men het van schouder moest veranderen, kan men alleszins niet gaan veronderstellen dat het tegen Engeland moest gericht worden. Er bleef bijgevolg maar één mogelijkheid over waartegen het geweer kon gericht worden. De binnenlandse vijand, de tegenstanders van de koning, de zogenaamde subversieve elementen van links, die bij het einde van de vijandelijkheden naar de macht konden grijpen. Volgens naoorlogse getuigenissen van krijgsgevangen officieren hebben deze aansporingen van de Fretteur alleszins tot gevolg gehad, en nu haal ik aan, te veel krijgsgevangen officieren verkeerde ideeën kregen en dat sommigen zich met pro-Duitse propaganda hopeloos compromitteerden. Einde van de aanhaling. In ieder geval mag de vraag gesteld worden of Belgische officieren in krijgsgevangenschap wel ertoe gerechtigd zijn zich met politiek in te laten. Voelden zij zich niet meer gebonden door de militaire deontologie en hadden zij hun vrijheid in politieke zaken hernomen? In gevangenschap als in courant leven is de officier vrij van zijn opinie en van zijn politiek. Ja, maar de militaire deontologie verbood toch aan de officier om zich met politiek in te laten toen ter tijd? En temps de paix, oui. En activité, oui. Mais en captivité, il reprend ses droits de citoyen. Il reste officier, mais il est tout même citoyen captif, donc il a sa liberté d'opinion, qui est reconnue par la Constitution du reste à tous les Belges. Ja, dat is toch eigenaardig. Hij was toch nog altijd officier van het Belgisch leger, ook oui. Wanneer hij gevangen was. Hè? Ja, mais émettre des opinions, dire ce qui pourrait être fait, ce qui devrait être changé, ça, ils en avaient le droit. Mais ce que vous dites est tellement vrai qu'il y avait certainement une influence très forte à Rothenburg comme ailleurs de la propagande allemande sur les esprits qui étaient, malgré tout, il faut bien le dire, déséquilibrés et malades. N'est-ce pas? À Rothenburg, pour fixer les idées, nous n'avions pas de radio clandestine. Nous n'avions que la radio officielle. Et elle fonctionnait à plein aux heures des repas dans les locaux. Oui, radio allemande, bien entendu. Et c'était le temps des communiqués de victoire massifs et des chants et les chants que vous connaissez. Mais hoe verklaart je, generaal, dat er waren toch een groot aantal Franstalige officieren in Rothenburg? En hoe verklaart u dat die... Een groot aantal, de helft. De helft. En hoe verklaart u dat die dan dat Duits verstonden? Hebben ze dan Duits geleerd? Il y a eu un cours d'allemand donné à Rothenburg, mais qui a été fort peu suivi. Moi, je n'ai pas suivi, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu le faire. Mais à Prenzlau, il y a eu un cours beaucoup plus important et qui a été suivi notamment par des généraux et autres qui ont été sanctionnés à ce titre-là du reste. À Eichstätt, je crois qu'à l'université, il y avait aussi un cours d'allemand. Donc, on apprenait l'allemand. Mais il ne faut pas s'en étonner, il y a beaucoup d'officiers qui apprenaient l'anglais, qui apprenaient l'hongrois, je vais vous étonner, qui apprenaient le russe, qui apprenaient d'autres langues. C'était une façon, comme une autre, d'utiliser son temps. Général, u bent eigenlijk een taal vergeten, hè? U bent toch eigenlijk een taal vergeten? Het Nederlands. Ah, ja. Dat studeerde men dan niet? Ja, ja.
Oh, toch? Ik heb vele Nederlandse boeken gelezen. Soldaat Johannen bijvoorbeeld enzovoort. Ja, ja. Ja, je hebt die wel gelezen, maar mijn vraag was eigenlijk of vele van die hoge officieren, Franstalige officieren, les in Nederlands volgden. Ze volgden wel Nederlands, ze volgden wel les in het Duits. In het Duits, maar, Duits, nee. Maar niet in het Nederlands. Nee, 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 nee. Dat moet ik zeggen, ja. Ja. Dat is vrai. Il y avait encore de néerlandais, mais c'est assez peu suivi. In ieder geval veel minder gevolgd dan het Duits. Beaucoup moins. C'est quand même drôle, hein? Les francophones ne voulaient pas apprendre le néerlandais ou le flamand, mais ils voulaient bien apprendre l'allemand. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que... Tout le monde achetait des grammaires auto-sauvaires. Comment? Tout le monde achetait des grammaires auto-sauvaires qu'on est allé chercher à Francfort. Auto-sauvaire? Oui, sauvaire. Ouais. Ah, oui. Et... On appelait ça en français auto-sauvaire. Oui. Et ces cours en allemand. Eh bien, alors on avait demandé. Dans chaque camp de prisonniers, il y avait un espèce de Führer culturel qui était adjoint, qui était chargé de nos loisirs. Un Allemand. Mais c'était des Allemands choisis, tous en moitié parisiens. Des Allemands qui avaient vécu des années à Paris. Sonderführer. Sonderführer, c'est ça. Abwehr. Enfin, tout ce que vous voulez. Oui, Abwehr. Mais enfin, bref, celui-là avait tout de suite offert ses services pour donner des leçons d'allemand. Et tout le monde allait, une masse de gens. Tout le monde. Il y avait à peu près 450 officiers à Rothenburg. Oui, mais ils n'allaient pas tous à leçon, mais ils avaient tout. Je sais que Marty m'a dit qu'il avait commandé 400 grammaires à Francfort, que le Sonderführer est allé chercher, et qu'il y avait 450 officiers au camp. Donc, 400 sur 450, sur 450, oui. C'est un très beau succès, mais ça. Naturellement, ça veut dire. Mais tout le monde pensait que ça allait devenir indispensable. De mislukking van het gesprek Leopold Hitler in november 40 te Berchtesgaden had de krijgsgevangen officier doen inzien dat de repatriëringslijsten van de OTAT niets meer uithaalden. De overbrenging van een aantal onder hen naar het kamp te Prenzlau in maart 41 drukte trouwens elke hoop op een spoedige terugkeer naar België voorgoed de kop in. De stemming in de kampen werd er niet beter op. Er moest naar overtuigender middelen worden gegrepen. Dan maar vanuit Rothenburg een petitie naar Hitler. De officieren van Rothenburg hebben begin 1941 een petitie naar Hitler gestuurd, waarin zij zich ertoe bereid verklaarden aan de wederopbouw van België deel te nemen en op hun terugkeer aandrongen. Die petitie is door kolonel Terlinde aan alle krijgsgevangenen in het kamp voorgelezen geworden. En de tekst begon met de woorden Noble chancelier Hitler, edele kanselier Hitler. Heeft u dit meegemaakt? Je crois me souvenir que Terlinde, dont c'était le devoir, presque comme homme de confiance, traduisait la volonté de presque tous les officiers d'être libérés, qu'il ait fait une démarche auprès de Hitler dans ce sens-là. C'est possible. Et qu'il l'ait lu devant tout le monde, c'est probable. Het is niet mogelijk, want de tekst... Oui, oui, c'est probable, c'est certain. Mais ça n'a aucune suite, je suppose. Nee, et qu'il ait mis Edler. Ça. Maar het gaat over de terminologie die men gebruikt. Hein? Noble chancelier non. Hitler. Hein? Wat toch eigenaardig aandoet vanwege Belgische officieren. Peut-être pour le faire. Ah non, ce n'est pas admissible comme terme, mais Edler. Oui, noble, oui. Cette pétition avait unanimement pour but d'obtenir qu'on le renvoie en Belgique le plus vite possible. C'était ça le but. Pour y faire quoi? Eh bien, pour rentrer chez soi d'abord. Mais oui, mais pour faire quoi aussi? Eh bien, pour avoir de nouveau un rôle à jouer, une place quelque part dans la reconstruction du pays. Tout le monde parlait de la reconstruction des pays et tout le monde disait, et nous sommes ici, et quand on rentrera, toutes les places seront prises. Tout le monde aura pris les places. Alors, c'est quand même scandaleux. Nous avons obéi aux ordres. Et maintenant, ce sont les autres qui sont restés à la maison qui vont profiter de toutes les places. Il s'agissait de bonnes places. Ah oui, c'était de bonnes places. Je sais que c'était une supplication de pouvoir rentrer en Belgique pour participer à la reconstruction du pays dans l'ordre nouveau. Nous étions tous
conscient de l'échec des démocraties et que tous, on voulait donc ne pas rester là bêtement prisonnier pendant qu'on changeait, qu'on faisait un nouveau régime. Et qu'on distribuait les bonnes places. C'est ça. Toen de repatriëring uit het kamp de Eichstätt uitbleef, besloot een groot aantal reserveofficieren, onder wie het parlementslid Jean Rey, in maart 1941 een petitie naar de koning te sturen, waarin zij op hun vrijlating aandrongen. Hoe langer hoe meer begon men zich inderdaad in de kampen benadeeld te voelen tegenover diegenen die in België waren gebleven of erin geslaagd waren door allerhande voorspraak uit de kampen naar huis terug te keren. Of er antwoord van het Hof kwam, is vooralsnog niet bekend. Wel staat het vast dat een aantal jonge reserveofficieren 2 maanden later aan Hitler een petitie zond om in België binnen het kader van hetgeen zij noemde een nieuwe economie ingezet te worden. Zij verplichten zich ertoe de wapens tegen Duitsland niet op te nemen en geen sabotage te plegen. Jean Rey had de scherpe hoeken van de oorspronkelijke petitie wat bijgeschaafd. Op deze petitie werd nooit een antwoord ontvangen. Moi, je comprends ça de la part des jeunes officiers de réserve, vous savez. On se demande du reste pourquoi ces officiers de réserve étaient en captivité. Ce n'était pas leur place, ce n'était pas leur devoir. Ils n'avaient pas à suivre leurs troupes qui étaient en partie démobilisées. Or, ils étaient là inutiles. Alors que d'autres officiers de réserve, des centaines et des milliers, étaient en Belgique, moi je comprends qu'ils aient tenté quelque chose pour en sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Déclarer qu'ils ne prendraient plus les armes contre l'Allemagne, ça pouvait aller, et qu'ils allaient se mettre à la disposition de ce qu'ils ont appelé la nouvelle économie. Ça allait un peu fort, mais enfin, de la reconstruction de la Belgique. Ils auraient dû dire la reconstruction de la Belgique. Et de nouvelle économie, vous avez dit. Nouvelle économie, oui, ça. Mais je comprends, les officiers de réserve qui ont tenté cet effort, je les comprends. Was het niet zo wat, laten we zeggen, de plicht van een Belgische officier om zich tegen de Duitsers te verzetten en bijvoorbeeld in het verzet te gaan? Oui, mais ça, rien ne dit qu'ils n'entreraient pas dans la résistance. Hein. Ils ont déclaré ne pas entrer, ne pas vouloir prendre les armes contre... Mais il n'était plus question de prendre les armes contre l'Allemagne, puisque la Belgique était... Oh ja, général, er zijn toch een heleboel officieren in het verzet gegaan, gewapend verzet. Oui. Ja, maar die deden juist het tegenovergestelde dan te zeggen... Écoutez, dat ze de wapens zouden opnemen. Ne soyez pas plus sévère dans ce domaine-là que... Parce que je ne sais pas qui, maar enfin... Doch het bleef niet bij petities aan Hitler. Na het uitbreken van de oorlog met Rusland de 22 juni 1941 vroegen enkele van de 420 à 430 officieren in het kamp de Rotenburg aan de Duitse kampoverheid inlichtingen opens inzet aan het oostfront. Zij zouden als voorwaarde hebben gesteld dat zij in Belgische uniform en onder Belgisch commando in Finland zouden worden ingezet. Na de oorlog zullen ze wat gelukkig zijn geweest dat het Duitse opperbevel met rechtstreekse aanwervingen niet instemde. De aanwervingen moesten via de rexistische formaties in België gebeuren. Waarom zijn zij dan niet kunnen vertrekken? Je sais, je connais des officiers flamands qui auraient voulu s'engager à la Légion flamande, mais je ne connais pas. Nee, ik heb gesproken van excuseer hoor. Waals officier. Ik heb gesproken voor het Waals legioen. Mais ça, je me souviens pas. Niet van het Vlaams legioen. Ça, je me souviens pas. Wij hebben namelijk een verklaring gevonden voor het feit dat ze niet zijn kunnen vertrekken. Namelijk dat de aanwerving moest geschieden via de rexistische formaties in België. En men zat natuurlijk in Rotenburg. Moi, j'étais bibliothécaire et je rédigeais le Fulda Echo. Mais c'était tout. Alors, moi, je n'étais pas à la... au courant de tout ce qui se passait. Donc... Il s'est midden in de boeken. Yeah, oui, yeah, in de boeken, ja. Yeah. Ah, dat was de officier die rechtstreeks aan de Duitsers geschreven hebben. Hè. Bij ons is daar geen collectieve brief geweest. Er zijn enkel die een brief aan de Duitsers geschreven om te zeggen dat ze gereed waren met de legioen naar het front te gaan. Ah, die zich bij de Duitsers dus melden voor naar de legioen te gaan. Die is daar. Er is nooit geen antwoord. Maar maar je zegt enkele. Hoeveel waren ze dan wel, die enkele? Bij mij was het dan misschien, we waren nog in Rotenburg daar, misschien 4, 5. En daar is nooit geen gevolg geweest, hebben nooit geen antwoord gegeven.
Maar die wisten door de vrienden van die mensen, daar wisten we dat ze aan de Duitsers geschreven hadden. In de kamp zelf, de kolonel, de Melen die daar was, had die brief weggestuurd. Ja. Hoe het met de opvattingen van sommige hoge officieren gesteld was, blijkt onder meer uit het feit dat te Prenzlau, generaal Van den Bergen, gewezen hoofd van de algemene legerstaf, de 18 juli 1941 op verzoek van de Duitse kampoverheid bereid was volgende dagorder in het kamp te laten uithangen. De officieren die onder voorbehoud van goedkeuring door de koning zich in het Waals legioen wensen in te lijven, kunnen zich morgen te 15 uur bij mij aanmelden. De uitdrukking onder voorbehoud van goedkeuring door de koning was door Van den Bergen zelf ingelast. Op het vastgestelde uur hebben zich 51 Belgische officieren bij de generaal aangemeld. Werden ze niet ingelijfd omdat zulks in België via Rex moest gebeuren, dan was alleszins bij deze officieren de bereidheid daartoe aanwezig. Ze hebben dat geschreven en daar een brief aan Van den Berg overgegeven om aan de Duitsers te geven. En Van den Berg heeft geen antwoord gegeven, heeft geen advies daarbij gegeven, heeft dat eenvoudig, zonder ja of nee te zeggen, volgens zijn plicht zo gezegd, commandant van het kamp, en heeft dat dan over de Duitsers overgegeven. En er zijn er nog die de lijsten hebben van de namen. Dus in het kamp van Prenzlau zijn er 51 Belgische beroepsofficieren die zich opgegeven hebben om naar het Waals legioen te vertrekken. En die zich voor het Oostfront gemeld hebben. Voor het Oostfront gemeld hebben. Hoe verklaart u dat? Dat is toch natuurlijk. Ja, we hebben ook goed gezien, ik heb d'accord. Qu'il fallait que l'Allemagne prenne l'Europe en main après la guerre, c'était une opinion qui était fort répandue. Vous appelez ça un normal, mais oui, naturel. Mais il y avait combien d'officiers belges à Prenzlau? 2000. Il y en a 51 qui se sont présentés pour aller au front de l'Est. Donc ça ne me paraît pas très normal. Non, mais écoutez, il fallait déjà être spécial pour se présenter, mais ils avaient beaucoup d'amis et de gens qui auraient bien fait la même chose, mais qui n'avaient pas envie de se risquer. C'était pas mal vu. On disait, ce sont des gens courageux. Et ils ont raison. La Belgique a tout avantage à ça. Parce que, il faut pas dire qu'une chose qu'on ne rend pas compte ici, là-bas, nous lisions tous les jours, on va savoir, le Deutsche Zeitung. Tout le monde lisait pour avoir des nouvelles. De Völkische Beobachter. Ouais, enfin, tout. Le Zeitung, il en était abonné à ça. Et alors, toutes ces nouvelles. Tout ce que les Allemands racontaient sur la guerre à l'Est, les raisons, tout le monde lisait ça. Les uns disaient, mais ils le lisaient quand même. Et les autres disaient, c'est pas mal, et on discutait toute la journée là-dessus. Et les uns disaient oui aujourd'hui, et le lendemain, ils étaient de l'autre avis. Ça devenait une histoire, et tout le monde se disputait sans arrêt, comme en Belgique. De overbringing in maart 1941 naar het kamp de Prenzlau had alle krijgsgevangen beroepsofficieren alle hoop op een spoedige repatriëring ontnomen. Daarom werd in België door de OTAT besloten een verbindingsdienst op te richten die de krijgsgevangenen in de kampen zou kunnen opzoeken. Met hetzelfde doel nam koning Leopold begin 1942 het initiatief een delegatie van de OTAT samen te stellen met instemming van het Duitse ministerie voor Buitenlandse Zaken. Ze werd de commissie Tserklaas genoemd, naar de naam van commandant graaf de Tserklaas de Wommersom. Zij omvatte voorts luitenant André de Calataï, de zoon van een generaal, ook een luitenant-geneesheer en nog enkele anderen. In juni 1942 nam de commissie haar intrek in het chique Adlon Hotel te Berlijn. Van daaruit bezocht zij van juni 1942 tot einde 1943 geregeld de Belgische militairen in de officierenlager of Oflaaks en de soldatenlagers de Stalaaks. Volgens de officiële richtlijnen van het hoofd van de OTAT, generaal Keijerts, had de commissie Tserklaas geen andere opdracht dan de morele en materiële toestand van de Belgische krijgsgevangenen in de Duitse kampen na te gaan en zo mogelijk deze te verbeteren. Maar we hebben reeds onderstreept dat de OTAT achter de schermen tot doel had een vertrouwensrelatie tussen het hof en de krijgsgevangenofficier tot stand te brengen en hun de politiek van Laken te verduidelijken. Wel nu, de vertrouwensrelatie tussen de koning en de jongere krijgsgevangen officieren had een diepe schok gekregen door een gebeurtenis
die nochtans meestal als heuglijk mag bestempeld worden. Wat is er in het kamp voor Belgische officier te Rotenburg gebeurd toen men het huwelijk van koning Leopold vernam? La nouvelle du mariage du roi a provoqué dans le camp prisonnier un véritable désarroi et une énorme confusion. Parce que personne ne s'attendait à cet événement. Il y en avait bien quelques-uns qui avaient parlé de la liaison, comme ça, de nouvelles qu'ils avaient reçues de leur femme. Mais ça n'avait pas été pris au sérieux. On avait dit, on raconte ça, mais c'est pas vrai. Ça fait que ça a été véritablement un scandale général quand on a appris cette nouvelle, parce que ça bouleversait toutes les conceptions de la captivité et de tout. Or, entre le roi et les officiers prisonniers, enfin ceux avec qui je vivais, il y avait là une tension qui existait déjà depuis un certain temps, étant donné qu'on avait des doutes sur cette situation de prisonnier du roi. On savait qu'on avait eu des échos, qu'il avait fait des voyages, qu'il était beaucoup plus libre qu'on croyait, qu'il y avait des officiers belges qui dînaient avec les officiers allemands à la garde du palais, et que tout ça nous paraissait bizarre, qu'alors pendant ce temps-là, que nous étions tenus comme des bandits en Allemagne, et qu'il y avait 3000 officiers belges qui étaient en congé payés par l'OTAD avec Kea. Nous commencions, il y avait alors cette histoire du mariage, ça a mis le comble à la fureur, surtout des jeunes. Qui se rappelaient, donc les jeunes, que déjà un an avant, le roi avait envoyé une carte postale à chacun par la Croix-Rouge dans les colis, en disant « je pense à vous ». C'est louche, les gens nous n'étions pas si, mais ça fait qu'il y avait déjà des éléments qui faisaient qu'on disait maintenant ça dépasse les bornes, maintenant ils se marient. L'archevêque annonce son mariage, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'au fond, il faut dire que les Belges sont tous officiers, tout ce que j'ai vu dans ma vie ne sont jamais occupés que de leur affaire. Le patriotisme des Belges, j'ai fait deux guerres, il n'y a jamais eu que chacun son sort. Le Belge ne voit que lui. La nation, tout ça, ce sont des choses qu'on apprend à l'école, mais qui est très peu pratiquée parmi la majorité des Belges. C'est toujours « et moi ». Tout se tourne de ce côté-là. Les jeunes disent « ah oui, mais merde, enfin, c'est assez maintenant cette histoire-là. Hein. » Il est auparavant, il est pensé avec nous, il était derrière les barbelés, et il nous a envoyé une carte, je pense à vous, mais nous pensons à lui, mais tout de même, il faudrait bien penser que nous ne pouvons même pas approcher de nos femmes et que lui, il parvient à se marier maintenant. La masse des jeunes était vraiment furibond, en colère, en disant « nous sommes ici et nos femmes nous coquifient en Belgique et tout, et on ne peut pas les voir et lui, il peut se marier. Il peut se marier et lui, c'est bien, et enfin, c'est un peu trop fort. » Il y avait des portraits du roi dans toutes les chambres. Les jeunes ont jeté les portraits par la fenêtre dans la cour. Alors les officiers supérieurs sont intervenus en disant « Devant les Allemands, vous n'allez pas commencer à faire des injures au roi, c'est scandaleux, vous officiers qui avez prêté serment et un peu de dignité. » Et on a dit « Allez, c'est scandaleux, tâchez au moins de cacher votre colère, parce que les Allemands voient ça, et qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Et enfin, bref, ça a été pendant plusieurs jours, dans tous les camps de prisonniers, la même réaction. Et les anciens, y compris moi, disait doucement, enfin, on est prisonnier ici, il ne faut pas donner des spectacles, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais restez calme. De OTAD-afvaardiging werd in de krijgsgevangenkampen bepaald slecht ontvangen. Ze werd ervan verdacht dat zij in opdracht van het paleis kwam spioneren om te weten of de officieren nog koningsgezind waren. Het ordewoord was, de verklikkers zijn daar. Het is verboden met hen te spreken. La commission de Saint-Claas est arrivé, était une surprise, parce qu'on n'avait jamais entendu parler d'une démarche pareille de la part du roi. C'était la première fois qu'on entendait un son de cloche qui venait de là officiellement. Ah oui. Et qui était donc aménagé, arrivé avec tout un état-major d'officiers allemands.
Il était accompagné de tous les officiers de l'OKV, de l'état-major, dans les grosses voitures. Alors là, évidemment, ça avait tout de suite provoqué un certain désarroi de voir le délégué du roi qui arrivait assister de nombreux officiers d'état-major à bande rouge allemand qui venaient de Berlin. Et on a appris qu'il s'était installé à Berlin à titre de délégué, je ne sais plus le nom exact, mais délégué du roi auprès des prisonniers de guerre. Mm-hmm. Et qui visitait donc les différentes camps de prisonniers pour informer le roi Léopold de la situation des prisonniers de guerre. Et comment était la réaction des officiers prisonniers de guerre? C'est surprenant. Les uns disaient c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ça? Les autres disaient ben, tant mieux, ça vaut beaucoup mieux. Comme ça, nous savons que nous sommes soutenus officiellement et que le roi est en bonne relation avec Berlin, donc ça ne peut que nous être favorable. Ça fait que les opinions étaient très différentes de l'un à l'autre. Onvermijdelijk kwamen tijdens de bezoeken van de commissie Tserklaas aan de kampen ook politieke vraagstukken ter sprake. Meer dan eens werden de vragen omtrent de gevoelens van de krijgsgevangen officieren tegenover de koning als onbetamelijk van de hand gewezen. De afwijzende houding van een aantal officieren werd door de commissie in verslagen als republikeins bestempeld. Het eerste bezoek aan het kamp te Lübeck moet volgens de verslagen een ware ramp geweest zijn. De 13 oktober 1942 werden de commissieleden door de helft van de ongeveer 50 daar aanwezige officieren als verkochten en verraders nageroepen. Eigenaardig genoeg zijn het zulke verslagen die na de oorlog door generaal Van Overstraten aan de Belgische overheid niet werden overhandigd. Doch gelukkig konden we de verslagen van commissielid André de Calatayie terugvinden. Hieruit blijkt ook dat de OTAT-afvaardiging bijzonder grote belangstelling had voor twee verschijnselen. Ten eerste, voor de echte of vermeende anti-royalistische en republikeinse manifestaties in enkele kampen. En ten tweede, voor de uitgesproken koningsgezinde groeperingen van Franstalige officieren die in de kampen waren ontstaan. De Calatayie est chargé à plusieurs reprises de remettre à des officiers d'actifs se trouvant dans des camps des messages du roi et du général Van Overstraten. À un certain moment, il est même question de disques. Évidemment, la bande enregistrée n'existait pas à ce moment-là, mais au début de juillet 1943... Platen, zegt u, disques, platen. Oui. Wat stond daarop op die platen? Un discours du roi, vraisemblablement. Vraisemblablement, le texte parle simplement « J'ai remis les disques du roi ». Bon. Comment est-ce que ça se passe? Bien, tous les officiers approchés par la commission Calatayie, généralement, tiennent à faire assurer leur roi de leur dévouement. On sait, par exemple, que les officiers déclarent être effrayés par les progrès du communisme en Belgique et vouloir faire quelque chose pour lutter contre cela. Faire quoi? Eh bien, par exemple, le lieutenant de Calatayie dénombre dans chaque camp le nombre d'officiers inscrits chez les servants du roi ou inscrits chez les cadets du roi et éventuellement comment ils peuvent faire boule de neige. Ils demandent également quels sont les royalistes chauds, les tièdes et les hostiles. Moi, j'ai eu une conversation privée avec Tserklaas personnellement, que j'ai été dans un bureau à part reçu par lui et que je lui ai posé la question quelle devait être en attitude vis-à-vis de l'ordre nouveau et des réformes qui se préparaient en Belgique. Est-ce qu'il y avait un obstacle à ce que nous y intéressions ou bien est-ce que le roi le trouvait normal et permettant, étant donné que dans le camp même, il le savait déjà, qu'il y avait des mouvements pour et des mouvements contre. Et contre quoi? Contre la collaboration en Belgique, enfin ce qu'on appelle la collaboration. Donc le retour des officiers, leur participation à cette rénovation nationale dont tout le monde parlait dans les journaux et partout. Est-ce que les officiers peuvent prendre part à ça, oui ou non? Et sa réponse a été claire, il m'a dit, oui, chacun peut le faire, mais selon sa conscience. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Ça veut dire que chacun était juge de savoir si c'était bien ou mal. Vous l'avez pris comment? Moi, je l'ai pris qu'on pouvait le faire. Mais c'est ma conception. Mm. Selon vous, le but réel, pratique, le vrai but de la commission de Tserklaas était quoi? Je pense que c'était maintenir les officiers dans une ambiance
royaliste, de façon à ce que le roi se rendait compte que cette captivité à l'arc, il avait certainement reçu des échos, avec son mariage, était certainement, avait créé un malaise général. On disait, il est prisonnier, et lui est chez lui, et nous sommes ici tout seuls, et il y a la moitié des officiers qui sont en Belgique, et nous n'y sommes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible que le roi et la moitié des officiers vivent en congé payé chez eux, et que nous restons là ici et qu'on ne voit pas de solution? Et évidemment, ça nous inquiétait personnellement. Est-ce que le vrai but de la commission de Cerclas était, de la part du roi, de s'assurer de la fidélité des officiers pour après la guerre? Oui, ça, écoutez, là-dessus, je ne crois pas qu'il avait le moindre doute, parce que tout le camp était royaliste. Benevens de kring voor nationale hernieuwing onder leiding van Wanty, die enkel te Rotenburg heeft bestaan, werden in de andere kampen eveneens koningsgezinde bewegingen opgericht. In het kamp de Tibor bevonden zich een aantal gewezen scouts verenigd rond de Brusselse advocaat Leon van der Beke, die in de Franstalige katholieke scoutsbeweging een leidende rol had vervuld. Bij hen groeide de gedachte om na de vijandelijkheden de scoutsbeweging om te vormen tot één nationale jeugdbeweging die de gehele Belgische jeugd zou omvatten, rechtstreeks ondergeschikt aan het gezag van de chef, de enige leider, de koning, of zoals Van der Beken het formuleerde, de geliefde, vereerde en onbetwiste chef, wiens bevelen moesten worden uitgevoerd om de enige reden dat hij de leider is die beveelt. De vorst zou persoonlijk de jeugdleiders aanduiden die hem rechtstreeks en uitsluitend verantwoording zouden moeten afleggen. De beweging moest ook gevrijwaard worden van enige onderwerping aan een partij, zelfs aan de enige partij. Zowat in alle kampen ontstond de clans die uiteindelijk in oktober 1941 de benaming Cadet du Roi aannamen. Toen de Duitsers in 1942 het dragen van scoutsuniformen in België verboden, kwamen de kadetten op hun stappen terug en namen sommigen ontslag. In juli 1942 richtte majoor Bedoré te Prenzlau een nieuwe kring op, Les Servants du Roi, de dienaars van de koning, waarvan enkel jonge officieren lid konden worden. De leden werden trouwens voornamelijk onder de kadetten van de koning gerecruiteerd, zodat vele officieren tegelijkertijd lid en van de dienaars van de koning en van de kadetten van de koning waren. De stichting van zulke kringen werd trouwens door het hof aangemoedigd. De kring van Bedoré kende een groot succes. In nauwelijks 14 dagen waren er al 200 leden. Le major Bedoré avait été sous-chef d'état-major du premier corps d'armée sur le canal Albert, et il en avait conservé une certaine rancœur à l'égard du haut commandement. Et cette rancœur, il l'a conservée en captivité, et elle s'est encore accrue lorsqu'il a constaté à Prenzlau le désintérêt total des généraux pour les officiers. C'est ce qui lui a donné l'idée alors de rassembler quelques dizaines de jeunes officiers dont il voulait s'occuper et auxquels il a donné le nom de servant du roi, avec des causeries, des formations spéciales, etc. Enfin. Volgens sommige buiten de kring van Bedoré staande officieren ging het om een geheime beweging met politieke oogmerken. En die waren dan van de Duitse overwinning gebruik maken om met zijn beweging in België een militaire regering te vormen en ten tweede de koning de leiding van deze regering in handen spelen. Dit alles werd evenwel door Bedoré ontkend. Wegens die kritiek werd na enkele weken de benaming La Flamme, de Vlam, gekozen, tevens de titel van het maandelijks bulletin van de kring, waarvan het aantal leden al tot 300 was opgelopen. In maart 1943 stond in La Flamme te lezen: de strijd die door de parlementaire in het halfrond van de kamers werd geleverd, is een strijd waarvan de verontwaardiging door de knieën ging zodra de drempel van de parlementaire baar werd overschreden. En nog steeds La Flamme: iedereen zal ongetwijfeld begrijpen dat in het weerzinwekkend geschil waarbij het leger zinnebeeld van de natie een tijd lang tegen deze natie of tenminste tegen een deel hiervan zou opgesteld zijn, voor iedereen angstwekkende gewetensproblemen zullen rijzen. Inderdaad angstwekkend. En tenslotte zijn wij vastbesloten blind te gehoorzamen aan de bevelen, hoe zwaar die ook mogen zijn, die ons worden gegeven door hem
die het lot van het land in handen heeft. Dat was nota bene volgens hen de koning. Dat alles werd Bedoré na de oorlog zwaar aangerekend. Quand il est rentré, il a été l'objet d'une plainte judiciaire. Pour avoir créé un organisme, comme moi je l'avais fait du reste. Et il a été tellement dégoûté, lui, qu'il a eu le courage de quitter l'armée sur le champ. Et il a obtenu alors une belle place aux industries chimiques. Toen in de zomer van 1943 een réorganisatie van de kampen werd doorgevoerd en alle beroepsofficiers uit de Prenzlau werden verzameld, kwam het zwaartepunt van de koningsgezinde bewegingen in dit kamp te liggen. Vele officieren zagen er tegenop naar dit kamp te worden overgebracht, omdat het al wegens de daar heersende kastengeest berucht was geworden als het kamp der generaals. Alors nous avons été scandalisés par l'organisation d'un marché noir auquel participaient surtout ceux qui recevaient d'amples moissons de colis de la Croix-Rouge de tous les pays. Dat waren de generaals. Oui, oui, surtout les généraux, oui, surtout. Je ne connais pas beaucoup qui a reçu d'autres colis. Uit welke landen kregen ze dat allemaal zo? Pardon? Uit welke landen? Oh, je sais qu'il y en avait venant de l'Angleterre, bien entendu, d'Espagne, d'Égypte. Dan moeten ze veel colis gehad hebben. Oui, ils ont beaucoup de colis. Hadden ze dan ook veel? Ils vivaient très largement. Ça, je sais. Le général de Graaf faisait la cuisine pour quelques généraux et c'était toujours une excellente cuisine. Ça, je crois le savoir. En hebben ze dan niet meegedeeld met de andere officieren? Nee. Ik heb nooit. Les jeunes officiers souffraient de la faim et je ne connais pas d'exemple, je crois, d'officiers supérieurs ou généraux, surtout, qui soient venus à leur aide en leur donnant une partie. Non, ils mettaient ça au marché noir. U bedoelt dat dus de generaals die hadden overvloed, maar ze stonden niks af aan diegenen die te weinig hadden. Il y a un général qui n'avait pas assez. C'est le général. Attends un peu, comment Goliath, comment ça s'appelle? Renard, l'ancien inspecteur général de l'artillerie. Qui était un type massif, une espèce de colosse, d'Hercule, n'est-ce pas? Il avait toujours faim et il allait fouiller dans les poubelles, même, n'est-ce pas? Pour ramasser les débris de légumes. Mais c'est, à ma connaissance, c'est le seul dans ces conditions-là. Hein? Oui. Non, nous avons été dégoûtés. Et alors, je veux dire, ces colonels, ces généraux ne s'occupaient pas du tout des jeunes officiers. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils restaient dans leur tour d'ivoire, c'était le cas de leur dire, c'était pas de l'ivoire, mais enfin. De gedachten die in La Flamme zo treffend werden vertolkt, leefde reeds lang te midden van sommige Belgische officierskringen. En ook nog in 1944, nauwelijks enkele maanden voor de bevrijding van ons land. Toen richtte de ons reeds bekende stichter van de kring tot nationale hernieuwing, luitenant-kolonel Wauty, in het kamp de Prenzlau een nieuwe kern op, waarvan slechts enkelen het bestaan kenden. Een kern die reeds in 1943 een voorgeschiedenis in het kamp de Fischbeck had, en waarover luitenant de Calatay van de commissie Tserklaas verslag heeft uitgebracht. À Fischbeck notamment, on parle d'un mouvement qui grouperait 400 officiers sur les 1600 du camp. Le moment venu, dit-on, au moment de l'action. Quelle action? Eh bien, dans ce rapport, de Calatay parle à mots couverts de rejoindre et d'évasion. Des sommes auraient été remises au colonel Wanty pour financer une espèce d'expédition en masse ou d'évasion en masse par lequel des officiers, des jeunes officiers énergiques, auraient pu rejoindre la Belgique. Là, je cite le rapport, pour contrecarrer les mouvements subversifs contre le roi. On souhaiterait avoir un patronage, des encouragements, des directives. In 1944 bevond u zich in het kamp de Prenzlau. Ja. En daar zal u misschien een omstandiger antwoord kunnen overgeven. Want daar vormde u stootgroepen die tot doel hadden zo vlug mogelijk bij de bevrijding van het land, dus België, naar België terug te keren en de terugkeer van de koning te verzekeren. Was het ook de bedoeling tegen de binnenlandse vijand, dus links, op te treden? De bedoeling was, in geval van onrusten in Duitsland, als in 1918, zo vlug mogelijk naar België te gaan met 220 officieren, met materieel, de wapens enzovoort. Maar hoe zou je aan wapens geraken? Ah, in Prenzlau. Wij hadden
nous avions toutes les informations, nous avons recueilli les informations, notre service de renseignement a fonctionné et nous savions où trouver les armes en face dans la caserne et les camions à Prenslow même, à 2 kilomètres du camp. En u zou daarmee dus naar België trekken? Oui, et nous avions un plan qui avait été établi par le bureau d'évasion du colonel Boll, n'est-ce pas? Et nous avions reçu, je dois dire ici, j'avais reçu de l'argent du palais, 6000 marks. U had dus geld gekregen van het paleis? Van het paleis door de tandarts Joachim. Oh ja, en dat was 6000 reichsmark. 6000 reichsmark. Ja, dat was ongeveer een... De marque de camp, hein? De marque de camp. Ja, maar dat was toch ongeveer... Dat was iets wat meer dan 70.000 francs. Oui, oui, oui. Of nog meer op dat ogenblik, ja. Geloof ik. Wel, en wat zou je dan doen? Ah, c'était pour payer le transport, payer la nourriture en cours de route, etc. U heeft geld dus van het Koninklijk Paleis ontvangen om zo vlug mogelijk naar België te gaan met de camions die u zou bemachtigen, met de wapens die u in de kazerne te Prenslau zou in beslag nemen of veroveren. En dan zou u naar België terugkeren. Wat was precies het doel om naar België terug te keren? Ah ben, om de. Pour renforcer toutes les unités qui étaient là décidées à protéger le régime gouvernemental, constitutionnel et par conséquent monarchique également. Mais donc c'était dus... pour éviter des soubresauts en Belgique. Is er tegenover u, generaal, is er daar ook een onderzoek ingesteld of wat? Tegen u ook? Il y a eu une plainte, mais je ne connais pas du tout le déroulement. Les archives doivent se trouver toujours à l'auditorat militaire. Tout ce que j'ai été convoqué un jour par l'auditeur militaire qui dit, voilà, il y avait une plainte qui était déposée, toutes les enquêtes ont été faites, il n'en reste rien. Voilà. In het kamp de Prenslau werd niet alleen de houding van de generaals door de jongere officieren als erg defaitistisch beschouwd. Ook de OTAT-delegatie verstrekte dus richtlijnen die het tegendeel van verzet waren. Want overmaken dat het iedereen vrij stond met de Duitsers samen te werken, ieder volgens zijn geweten, kan toch moeilijk worden beschouwd als het aankweken van een geest van verzet. Ook de Kalatai van dezelfde OTAT-commissie had het nog in 1943 erover dat het Hof zich aan de vooroorlogse neutraliteitspolitiek bleef houden. De OTAT, zijn leiding en opdrachtgevers stonden trouwens bij de Belgische verzetsleiders bepaald slecht aangeschreven, zoals bijvoorbeeld bij een generaal Gérard, een tijdlang bevelhebber van het geheim leger. 3 leiders van het gewapend verzet hebben na de oorlog de OTAT ervan beschuldigd dat deze gedurende de oorlog een defaitistische houding had gepredikt, dat de OTAT Belgische militairen had verboden tot het verzet toe te treden en dat diezelfde OTAT ongunstige dossiers had aangelegd over de officieren die in het verzet stonden. In maart 1943 heeft generaal Keijaerts aan generaal Gérard meegedeeld dat voor hem gewapend verzet gelijk stond met een folie, een dwaasheid. Volgens Gérard genoot de chef van de OTAT Keijaerts de steun van hen die mordicus meende dat de oorlog gedaan was, dat de Belgische regering te Londen niet langer bestond en dat enkel secretaris-generaal Plisnier en de koning de bevelen gaven. Is dat geen defaitisme? C'est une espèce de coup d'État, si vous voulez, civique. C'est un coup d'État. Dire que le gouvernement de Londres n'existe plus à ce moment-là, à mon avis, c'est un coup d'État, c'est tout. En ik stond zeer wantrouwig tegenover die heren van de OTAT. Waarom? Omdat het zo een neutraliteitspolitiek was tot in het uiterste. In mijn ogen althans. Tot in het uiterste? Tot in het uiterste. Waar is dat? Het uiterste is te zeggen dat men zich niet engageerde tegenover de Britse wereld, niet waar? De Engelsaksische wereld. Groot-Brittannië, Commonwealth, Amerika. Hè? En waarom zou dat dan wel gebeurd zijn, meneer de gouverneur? Waarom? Omdat het zo'n algemeen geest was in de OTAT. Er was daar een generaal die daar aan het hoofd van was. U bedoelt was, geen strijdvaardigheid? Geen strijdvaardigheid. Militairen. Oh, nee, nee. In mijn ogen althans. Ja, ja. Hoe beoordeelt u het optreden van de leiding van de OTAT en vooral van generaal Keijaerts tijdens de bezetting, die het hoofd was van de OTAT? Ik heb er persoonlijk nooit contact mee gehad of niks mee te maken gehad, maar het was slecht aangezien door meerdere officieren die ik gekend heb. En waarom eigenlijk?
Ik heb later veel dingen vernomen die mij hebben doen verstaan dat in het algemeen hij niet de vriendschap had van de meeste van zijn collega's. Mag ik nog eens vragen waarom? Waarschijnlijk wegens een aard van collaborateur te spelen. Aha. Dat is sterk, hè? Ja, dat is sterk. Dat is sterk. Dat is sterk. Dat is sterk. Mogen we het misschien zo stellen dat hij nooit aangezet heeft tot het voeren van verzet? Veeleer het tegendeel. Is dat dat? Dat is juist. Heeft u de Ottat beschouwd als een haard van verzet? Nee. Comme un hoe beschouwde u het? Comme un fromage. Nous avons considéré l'Ottat comme un fromage où s'étaient réfugiés tout ce qu'on appelait alors les naftalines. Hein. Les naftalines. Vous ne savez pas comment ça s'appelait comme ça. Les officiers belges qui sont restés en Belgique sans aller en Angleterre, qui était leur premier devoir, sans venir en Espagne, en Allemagne, qui était leur deuxième devoir, ou sont entrés dans la résistance, qui était leur ultime devoir, on les a appelés des naftalines. Hein. À mon avis, l'Ottat était accepté par tout le monde sans difficulté. Jusqu'à la fin. Mais en 1944, un vent de folie s'est emparé de toute la Belgique en vue de l'écroulement des Allemands. Et alors tout le monde a commencé à se soupçonner et à s'accuser les uns les autres. Ah, toi, vous avez dit ceci, hein, vous avez un jour dit ça, et vous avez été à une réunion du Vlaamsekrieg, et vous avez été à un meeting de Degrelle, parce que Degrelle a été acclamé, tout le monde, quand il est venu tchercasser à Bruxelles, par toute la ville de Bruxelles. Par toute la ville? Il y avait il y a les photos. Mais je m'excuse, hein. Enfin, pas par toute la ville. Pas vu. C'est pas vrai, pas ça. Pas toute la ville, mais enfin, une grande foule. Donc, il y avait des gens de toutes les opinions. Et les uns, ils changeaient au fur et à mesure. Ça fait que ceux qui avaient été pour devenaient contre, et tout le monde avait peur de l'un de l'autre. Et c'est alors que la situation en Belgique est devenue intenable, parce que personne ne devait plus se fier à personne. Celui qui avait été Vlaamsekzin devenait tout à fait enragé en anti-Vlaamsekzin. Tout le monde changeait de camp comme rien du tout, sans prévenir les amis et connaissants. Et alors les dénonciations pleuvaient à la Gestapo au point qu'ils en étaient submergés. Toen de leiding van de Ottat de 7 januari 1944 door de Duitsers werd aangehouden en naar Prenzlau werd overgebracht, gebeurde dit volgens sommige krijgsgevangen officieren op het eigen verzoek van Keijerts en Goedhals bij de Duitse militaire bevelhebber von Falkenhausen. Alvorens zij naar Duitsland in een eerste klas treinwagon werden weggevoerd, gaven zij commandant Tilmans van de Ottat de toelating met Londen contact op te nemen. Tilmans werd vooral op het hart gedrukt de werking van de Ottat volledig en voorgoed stil te leggen. Moi, j'étais prisonnier à ce moment-là au camp de Prenzlau, le troisième camp que j'ai fait. Et à ce moment-là, à la grande surprise, nous avons vu arriver brusquement, à l'improviste, le général Keijerts, escorté d'une vingtaine au moins d'officiers qui étaient dans son service à l'Ottat. Et surprise générale, on a dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, le général Keijerts n'a pas voulu donner beaucoup d'explications. Tout le monde l'a considéré que c'était fort suspect que brusquement il revenait, juste au moment où, à la fin de la guerre, approchait. Et il a été mis en quarantaine parce que tous les officiers ont refusé de lui serrer la main. Il y en a même qui prétendaient qu'on devait le mettre en quarantaine. J'ai vu le général moi-même par la fenêtre de ma chambre, tout le monde s'était rentré dans les champs. Le général s'est trouvé avec sa valise au milieu de la grande cour de Prenzlau, tout seul, personne ne voulant s'adresser à lui. Personne ne bougeait, tout le monde regardait par les fenêtres, on disait, les voilà maintenant, les fameux. Les voilà les fameux, qu'on disait. Les fameux quoi? Qui ont passé toutes les fameux, qui, on ne disait pas le mot, on disait ceux qui sont restés en Belgique toute la guerre. Donc, et qui étaient retournés en Belgique pour collaborer, disait-on. Moi, je n'appelle pas ça collaborer, parce qu'ils n'ont pas collaboré. Ils ont fait un service qui était nécessaire. Mais les autres, la plupart, le considéraient comme une collaboration. De rien que par la jalousie, d'ailleurs. Parce qu'eux n'avaient pas eu ça.
et qu'on ne les avait pas appelés, c'était pas du patriotisme, c'était la jalousie qui régnait en mer. Ça, vous avez plus, donc on disait donc c'est des mauvais. Hoe verklaart u dat Keijaerts en Goethals te Prenzlau door de Belgische officieren werden uitgejouwd, en ik haal nu aan een uitspraak van een officier van Prenzlau, uitgejouwd als verraders die 4 jaar lang te Brussel in de kaas hadden gezeten? Dat is juist, dat is de reden. U heeft dat meegemaakt, dat ze werden uitgejouwd? Nee. Oh, u hebt dat niet meegemaakt? Nee. Maar je weet dat het gebeurd is? Ja, ik weet dat er Keijaerts aangekomen is. Ik heb dat gehoord, ik heb de geluiden gehoord, maar... U bent niet gaan kijken? Nee. Vous comprenez que eux, quand ils arrivaient à Prenzlau, ils n'allaient pas dire ce qu'ils avaient dit à Van Valkenhout. Parce que sinon, ils savaient qu'on les aurait jetés par la fenêtre. On a appris par toutes sortes de bruits, etc., que cette décision d'arrestation et de les renvoyer en Allemagne avait été concertée par le général Goethals lui-même avec le général Van Valkenhout, qui avait eu des conciliabules à ce sujet, et que finalement, les Allemands leur avaient donné 3 jours pour se préparer avant de venir les chercher. Volgens sommige officieren gebeurde dit op eigen verzoek van Keijaerts en Goethals bij de Duitse militaire bevelhebber van Valkenhausen om het blazoen van de OTAT bij het verzet iets wat op te fleuren. Is dat ook uw mening? Ja, dat is waarschijnlijk. Ils ont obtenu d'être envoyés dans un camp de prisonniers. Obtenu. Ils l'ont demandé. Ben oui, ils ont demandé à rentrer en Europe, parce que là, on était du bon côté, comme prisonniers de guerre. Mais le général Keijaerts a leur demandé à pouvoir s'expliquer devant le général Vandenberg, qui était le plus ancien officier belge du camp, l'ancien chef d'état-major général. Et là, il y a eu une longue conversation dont personne n'a jamais entendu. Et le général a conclu la chose par un communiqué général en disant qu'il avait entendu les explications du général Keijaerts et que les explications étaient tout à fait satisfaisantes. Il n'a pas donné de précision et que par conséquent, il priait tous les officiers du camp de cesser de manifester la moindre animosité à l'égard du général Keijaerts. À la suite de quoi, les uns ont trouvé que c'était bien, les autres ont trouvé que c'était scandaleux, mais on n'a plus rien dit. Et eux-mêmes, interrogés par leurs camarades qu'ils avaient avec eux, ont toujours prétendu qu'à un moment donné, les Allemands avaient cessé d'avoir confiance en eux et les avaient renvoyés comme prisonniers de guerre dans le camp dont ils avaient été extraits en 1940. Mais cette version, personne ne voulait la reconnaître. Les uns ont fait semblant de l'admettre et les autres ont continué à douter tout à fait que ça avait été organisé de connivence dans le but de ne pas se trouver en Belgique au moment de la libération. Pourquoi pas? Parce qu'ils craignaient des réactions de l'opinion, etc., et que le roi allait sans doute aussi ne plus être là, et qu'ils voulaient, au fond, se mettre à l'abri de toute difficulté en étant prisonniers de guerre. On n'avait plus rien à leur dire. C'est que, à leur avis, la situation devenait tout à fait limpide, que les Allemands allaient perdre la guerre, et que, par conséquent, le fait qu'on allait leur reprocher le travail qu'ils avaient fait en Belgique pendant 4 ans, sous les ordres, sous le contrôle des Allemands, et ils ont voulu se débarrasser de tout reproche à leur sujet. Tous ceux qui sont partis volontairement, Et pourquoi est-ce qu'ils sont partis volontairement? Parce qu'on leur a donné 3 jours pour préparer leur bagage et dire au revoir à leur famille. Oui, mais ça n'indique pas qu'ils sont partis volontairement. Mais si, parce que quand on est fait prisonnier, en général, on s'enfuit. Si on vous donne 3 jours pour dire au revoir à la famille, ceux qui ne sont pas d'accord, ils partent. Van Valkenhout s'est montré, était devenu leur ami. Ils allaient tous les jours, Keijaerts et Goethals, tout ça allait tous les jours, bavarder depuis 4 ans aux administrations de Keijaerts. Il y avait tous les jours des liaisons qui se faisaient. C'était devenu presque des camarades. Het minste wat mag gezegd worden is dat de OTAT het verzet onder de militairen zeker niet heeft aangemoedigd. Had Keijaerts zulks wel gedaan, dan had hij volgens de verklaringen van verzetsleider generaal Gérard niet meer recht in de ogen van Van Valkenhausen kunnen kijken. Waaruit nogmaals blijkt dat de politiek van het minste kwaad ook vaak deze van de minste weerstand is geweest.
S'ils restaient à l'OTAD, ils étaient tués par les gens de l'armée secrète. Eux disaient, on disait c'est des collaborateurs en Belgique. Ah. Mais oui, puisqu'ils collaboraient avec les Allemands tous les jours, en uniforme et tout. Alors les gens de l'armée secrète les considéraient comme des traîtres. Et alors ils faisaient malsain comme tout en Belgique. Ça n'était plus fiable, étant donné que le plus grand nombre d'officiers qui se trouvaient en Belgique étaient passés dans l'armée secrète et dans la résistance réelle. Pour ceux-là, l'OTAD était un acte de collaboration, enfin dénommé. Mais alors ont commencé les attentats et ont commencé à tuer à tort et à travers tous ceux qui étaient compromis. On disait, ça c'est un traître, pan, c'est fini. Il y en a eu comme ça des dizaines qui ont été tués, comme ça, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on disait, ça c'est un traître. On accusait tout le monde de cette traître. Pas tout le monde, hein. Mais enfin, ils étaient au moins neutres. Ça, toutefois, c'était déjà trop, parce qu'il fallait être à l'armée secrète. Volgens majoor Hellebout zou de OTAD even min afkeurend hebben gestaan tegenover het vertrek van Belgische militairen naar het Oostfront. De verantwoordelijkheid voor deze stelling laten wij geheel bij hem berusten, bij deze zoon en kleinzoon van twee Belgische luitenanten-generaal, die tevens minister voor landsverdediging zijn geweest. Een beroepsofficier die nog in juli 1944, na meer dan 4 jaar opsluiting, in een krijgsgevangenenkamp onder meer te Prenzlau, naar het Oostfront trok om er zijn belofte na te komen tegenover een andere Belgische beroepsofficier, Lucien Lippert, de commandeur van het Waals Legioen, dat wanneer deze zou sneuvelen, Hellebout zijn plaats zou innemen. Lippert sneuvelde in het Russische Tcherkassy en Hellebout kwam ook dan nog zijn belofte na. Maar het probleem is nu dat niet alleen Hellebout vooropstelt dat de OTAD-leiding niet afkerig stond tegenover het vertrek van Belgische militairen naar het Oostfront. In een ver afgelegen Waals dorpje vonden we iemand anders die voorhoudt dat hij zulks persoonlijk meemaakte. Dat hij onbekend wenst te blijven en dat u enkel zijn rug kan te zien krijgen, mag u gerust toeschrijven aan het feit dat vooral in Wallonië na 40 jaar blijkbaar nog altijd risico's bestaan. U is als beroepsadjudant van het Belgisch leger gedurende enkele maanden in dienst geweest in 1941 bij de OTAD te Brussel. En dan is u daarna, de 8 augustus 1941, met de eerste lichting van het Waals Legioen naar het Oostfront vertrokken. Heeft u daarvoor iemand geraadpleegd alvorens u vertrok? Ja, twee hoofdofficieren. Het waren generaal Goethals, de kolonel Goethals op deze moment, en de generaal Van Dale. Qu'est-ce que le generaal Van Dale vous a dit? Le général Van Dale a dit que c'était une bonne idée d'aller combattre sur le front de l'Est pour le bien de la Belgique. Pour le bien de la Belgique? Le bien de la Belgique, oui. Et qu'est-ce que le colonel Goethals vous a dit? Le colonel Goethals a répondu de la même façon, mais il a ajouté que pour lui, l'armée allemande, donc n'est-ce pas, serait victorieuse. Cela ne vous a pas étonné que ces deux officiers supérieurs de l'armée belge vous ont dit ça en 1941? Non, d'autant plus que le colonel Goethals avait été l'attaché militaire à Berlin et qu'il était certainement au courant, donc n'est-ce pas, de la force militaire de l'armée allemande. Pour vous, ce conseil de ces deux officiers supérieurs, cela vous a influencé dans votre décision? Ça m'a influencé dans ma décision, oui. Vous étiez plus tranquille alors? J'étais plus tranquille. Mais vous aviez déjà décidé de partir à ce moment-là? Non, j'étais toujours encore sur l'alternative. Des doutes? Au début, oui. Et est-ce que leurs conseils vous ont déterminé de faire le... Ces conseils m'ont incité à partir malgré tout. Parce que, d'un autre côté, j'hésitais. J'avais une femme et 2 enfants et je ne voulais pas les abandonner. Toen Hellebout na zijn toetreding tot de SS Stormbrigade Wallonië nauwelijks een paar maanden voor de bevrijding eerst nog voor een 14-tal dagen met verlof naar België kwam, vroeg hij de OTAD om een verlof zonder wedde voor 6 maanden uit het Belgisch leger. Door de opvolgers van Keijaerts en Goethals werd hem dit verlof,
zonder enige moeilijkheid toegestaan. Zijn verlof zonder wedden kon zelfs na 6 maanden nog verlengd worden. Bovendien werd bij de OTAT voor intern gebruik nog aangestipt dat Hellebout zijn rechten op bevordering behield en dat hij beter een andere soort verlof had aangevraagd die hem nog meer voordelen had verzekerd. Het feit dat de OTAT toen, juli 1944, nog een verlof zonder wedden heeft toegestaan bij Hellebouts vertrek naar het Oostfront, heeft Hellebout als een goedkeuring van zijn zware beslissing beschouwd. Tijdens zijn 14 dagen verlof in België ontmoette Hellebout een bekende, een officier die in het geheim leger was en die nog niet wist dat Hellebout naar het Oostfront vertrok. Constance disant, ah, quelle chance que tu reviens. Oh, tu arrives à temps, enfin, quelle chance, je te félicite d'être venu. Ah, eh bien, tu sais, nous sommes réunis, un tel et un tel, une cité, un tel, ah, tout le monde est là maintenant. Dans l'armée secrète. Dans l'armée secrète, et tout le monde se réunit, et c'est là, dans tel local, et telle date. Oh, oh, c'est là, dans un mois, c'est fini, on est tous victorieux. Ils ne savaient pas que vous étiez engagé. Ben, mais non, parce que tellement tout le monde était passé dans l'armée secrète. Et il a cru que je revenais comme tout le monde. J'avais pas de mauvaise réputation dans l'armée belge. Et alors, le lendemain, il a appris que j'ai passé à la Légion Wallonie. Il a été pris d'une panique horrible, puisqu'il m'avait tout dévoilé, leur réunion, leur lieu et tout. Il a dit, ça y est, maintenant, c'est mon affaire est claire. Il s'est enfui de chez lui, il est allé dans le maquis. Et tout ça, il a prévenu tout le monde qu'attention, le bot, c'est tout. Et maintenant, il va tout aller raconter. Parce que le moindre Allemand qu'on pouvait voir, on était déjà accusé d'être collaborateur. Vous m'avez raconté l'histoire d'une réunion de l'armée secrète à Stromberg. Une réunion qui vous a étonné. Eh bien oui, j'ai appris qu'ils se réunissaient jusqu'à 200 à la fois à Stromberg, ou je ne me rappelle plus où, j'ai oublié maintenant, et qu'on tenait là des choses et qu'on dressait des listes pour pouvoir justifier qu'on était à l'armée secrète après la guerre. On devait préparer son dossier pour après-guerre, puisque la victoire était certaine. Et chacun voulait pouvoir dire, j'ai fait ceci et j'ai fait ça. Et à 200, tout le monde parlait que de l'avenir et de l'avancement dans l'armée belge après la guerre. Et qu'alors, évidemment, quand il y a 200 personnes qui se réunissent, la Gestapo se rendait compte qu'il se passait quelque chose. Et que la Gestapo a fait des rafles là-dedans. Et on a ramassé des 50 à la fois. On a fait les adresses sur la liste. Alors, tous ces gens ont été embarqués dans les camps de concentration. Et il y avait des listes où était donc indiqué ce qu'ils avaient fait. Mais ils disaient eux-mêmes, chacun voulait faire acter qu'il avait fait ceci et ça. Et c'est ça que la Gestapo a trouvé. Ah oui, évidemment. De geestesgesteldheid tegenover de ontwikkeling van de oorlogsgebeurtenissen, de oorlogskansen en de oorlogvoerende, heeft in de kampen bij een aantal krijgsgevangen Belgische officieren in Duitsland al een even grote ommezwaai gemaakt als zulks bij sommige anderen buiten de kampen het geval is geweest. De krijgsgevangen officieren waren trouwens nog meer dan anderen van heel wat informatie afgesneden. Major Hellebout heeft zich lange tijd kunnen vergewissen van deze mentaliteitsverandering in het kamp de Prenzlau, waar uiteindelijk alle Belgische beroepsofficieren zijn verzameld geworden. This is London calling in the home overseas. Oh, dans, the European leur mentalité dans le camp de Prenzlau, on peut dire qu'elle a varié de 0 à 180 degrés. Elle a été toute chaleureuse dans les débuts. Bon, tout le monde voulait participer, mais encore une fois, pas pour l'Allemagne, pour nos intérêts et les places qu'on avait. Il y avait surtout une terreur parmi les officiers de carrière où j'étais, c'est qu'on perde sa situation après-guerre s'il n'y avait plus d'armée belge. C'était quand tout le monde se sentait menacé de devoir recommencer une nouvelle carrière. C'était ça l'épouvante. Alors, on voulait s'assurer déjà quelque chose, un point de départ. Tout le monde disait, il faut tâcher absolument de faire quelque chose pour se refaire remarquer, qu'on est bien disposé, qu'on aimerait une place, pour avoir quelque chose en remplacement. Et c'est pour ça que tous se sont mis à étudier l'allemand en se disant, il faut tâcher de se faire remarquer, parce que sinon, est-ce qu'on va devenir chômeur? Maar sedertdien waren de tijden gevoelig veranderd.
Over het kamp te Prenzlau bij het einde van 43 en begin 44 wist Hellebout ons het volgende beeld op te hangen. Il y avait des places clandestines qui étaient installées spécialement chez les jeunes, dans les secondes étages, où ils étaient dans des grands dortoirs. Et là, ils étaient toute la journée en train d'écouter la BBC. Et il y avait des communiqués à peu près toutes les deux heures, où alors nous étions, nous les plus vieux, on venait dans la chambre et il y avait un jeune qui criait « Communiqué, communiqué !» Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued a communiqué. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces. Et on disait, oh, merde, maintenant c'est assez, hein, des bateaux coulés et tout ça. Ça fait que la rousse pétait, mais il fallait sortir de la chambre et aller dans le lavoir où on lisait le communiqué debout sur une chaise. Mais si on n'allait pas le communiqué, on était sur la liste noire. Ah, oui. Sur la liste noire? Ah oui. Ah, il y avait une liste noire? Oui, il y avait des listes noires dans tous les sens. Il y avait des listes noires contre les anglophiles, il y avait des listes noires pour les choses. C'était un gâchis, vous ne pouvez pas te faire une idée, là. Ah oui, les anglophiles tenaient des listes noires pour après-guerre, et ceux qui n'étaient pas anglophiles tenaient des listes noires sur les enragés qui rendaient la situation impossible là-bas. Er was ook verklikking dus. C'était verklikking aan alle kanten. Nog in maart 1945, bij de strijd om Stettin, begaf Hellebout zich naar het kamp te Prenzlau, op nauwelijks nog 30 kilometer van het front. Uit vriendschap voor zijn gewezen collega's Belgische officieren wilde hij pogen hen uit de handen van de Russen te houden en hen naar het westen te doen overbrengen. Dat er heel wat veranderd was, kon hij duidelijk merken toen hij bij de Duitse kampcommandant aanbelandde. Oh, il n'y a rien à faire d'été. On veut bien les renvoyer vers l'ouest, mais ils attendent les Russes. Tout le camp est rempli de drapeaux communistes. Ils attendent l'armée rouge. Des drapeaux? Des drapeaux rouges communistes. Hein? Ils attendent les Russes, qui sont plus qu'à 30 km. Pour saluer les Russes? Pour saluer les Russes, nos alliés. Et il dit alors... Nos officiers belges? Oui. Alors, dit-il, moi, je suis impuissant. Tout le camp... Chante la louange des Russes. Et il y avait combien d'officiers environ? 2000 à peu près. 2000. 2000. Ouais, je ne dis pas qu'ils étaient tous d'accord, mais c'était ceux qui se manifestaient. Ah. On chantait les bataillons de la Volga, ils disaient. On chantait quoi? Les bataillons de la Volga. Et tout, on attendait les Russes. Ah, de Bootrekkers van de Volga. Ouais. Et les bataillons de la Volga. Alors, il dit, ils sont complètement fous, dit-il, le commandant du camp. Moi, je dis non, écoutez, vous exagérez. J'ai des tas de copains là-bas, c'est ridicule ce que vous croyez. Ah, il dit, moi, c'est ce que je vois. Et, je dis, vous ne les conseillez pas comme moi. Je ne crois jamais que c'est comme ça. Je dis, enfin, que quelques-uns, mais que tout le camp, ça, je dis, je ne veux pas croire ça. Et en tout cas, je dis, il y en a certainement qui ne sont pas d'accord, mais c'est peut-être qu'ils n'osent plus le dire. Ou... Alors, probablement, vous avez demandé... Et j'ai dit, je voudrais bien voir un tel et un tel et un tel. Des gens que je connaissais comme mes amis et que je savais qui étaient tous anglophiles, parce que je dis, si j'appelle des gens qui sont plus ou moins de mon idée, on va dire que c'est un complot. Mon idée, c'est quoi? Ben, que moi, j'étais au Waffen-SS. Hein? Donc, c'est ça. Il y en avait encore d'autres qui avaient cette tendance? Ben oui, il y en avait d'autres. Pensez bien. Ils ne le disaient plus, mais on les avait repérés. Ceux qui avaient manifesté dans les débuts, ça se savait. Chacun avait sa petite fiche. Et tout ça était déjà noté pour l'après-guerre. Ben, ça a été un échec complet. Ah. On les a appelés un à un. On m'a donné un petit bureau spécial où j'étais tout seul pour les recevoir un à un. Et quand ils ont ouvert la porte, ça a été négatif, mais pas eu moins de dire un mot. Ils sont tombés comme s'ils avaient Hitler lui-même. Et ils ont dit, ah non, Franz m'a dit, il m'appelait par mon nom, ah non, Franz, ça c'est pas question, alors. Je dis, mais enfin, à un moment que je te dise un mot, je dis, enfin, non, hop, parti, il faut claquer la porte. Et tous les cinq que j'ai vus, ça a été le même accueil. Alors je dis, ben merci, alors le commandant du camp commence à, je sais plus quoi, moi je sais même pas leur poser une question. Je dis, oui, mais c'est pour vous que je viens ici. Non, pas un mot. Ouais, c'est fini, c'est comme si je vous ai dit. Bij het naderen van de Sovjets werden de meer dan 2000 Belgische officieren in het kamp te Prenzlau
door de aftrekkende Vlaamse en Waalse Waffen-SS'ers de vrije keuze gelaten. Ze konden meegaan of ter plaatse op de Russen wachten. Volgens Hellebout trokken verscheidene honderden, hoofdzakelijk jongere officieren, met de Vlaamse en Waalse Waffen-SS'ers mee. Want er lagen nog honderden kilometers, meestal te voet, te wachten, alvorens het Westen in het zicht zou zijn. Meer daarover vanwege Jérôme Ingels, die in 1941 uit Loekenwalde in de collaborerende Vlaamse wacht was gegaan en einde 1944 in de Waffen-SS-divisie Langemark verzeild was geraakt, alsmede vanwege een officier van het Vlaamse legioen die eind 1944 bij de staf van de Grelle was ingedeeld. Toen ze hoorden dat er bij ons mensen waren die zij Belgen noemden, hebben die ons aangesproken in het Frans. Ik heb persoonlijk aan die mensen geantwoord, ook in het Frans, en gezegd dat we inderdaad naar het Westen trokken om uit de handen van de Russen te blijven. Toen hebben die mensen ons gezegd dat dat ook hun bijzonderste zorg was. En ze zijn onder ons bescherming verder naar het Westen getrokken. Toen was er de sauve qui peut voor de Russen. Wat mij wel opgevallen was, dat is dus dat al die Belgische officieren grotendeels met Waalse en met Vlaamse soldaten, camions enzovoort weggetrokken zijn. Dat die daar liepen met stapels sigaretten, met stapels boter, met chocolade. Boter? Met, ja, ja, met gele stapels boter. Die ze dus kregen langs het Rode Kruis vanuit Zweden. Wat kregen ze zo nog? En alle mogelijke conservendozen, melk en koffie. En we hadden wij in, echte koffie? Ja, echte bonencafé. Jawel. Bonencafé? Ja, ja, bonencafé. En die hebben ze ten ander ook gul uitgedeeld aan, dus aan onze mannen die ze dus meenamen naar het Westen. Aan de legioen? Aan de legioensoldaten, ja, ja. Die Belgische legerofficier? Die Belgische legerofficier. En die waren dan uit de Sveenlijk. Ze mochten mee. J'ai eu l'occasion de parler avec différents officiers. Pourquoi ils allaient avec vous? Oui, ils marchaient en même temps que nous. C'est moi qui adressais la parole. Et entre autres, j'adressais la parole à un général. Et le général en question poussait devant lui une petite charrette d'enfants qu'il avait sans doute réquisitionnée à gauche ou à droite. Et dans cette charrette d'enfants, vous trouviez des boîtes de conserve, du chocolat. Chocolat? Du chocolat, oui, des morceaux de chocolat, des tablettes de chocolat, oui. Et du pain, et enfin, il avait tout des victuailles, de quoi manger certainement pendant un mois. Hein. Et monsieur poussait sa petite charrette, le général, avec une bande rouge, son beau képi. Et il ne vous a pas donné du chocolat? Oh non, évidemment, je ne lui ai rien demandé non plus. Il avait des cigarettes aussi? Ah oui, il avait tout ce qu'il lui fallait quand même. Hein. Mais c'est ça qui manquait à vous autres, à la Légion, à ce moment-là, du chocolat et des cigarettes. Oui. Vous n'en avez pas reçu? Non, rien du tout. De Belgische legerofficieren die in het kamp van Prenzlau waren achtergebleven om de komst van de Russen te verbeiden, werden inderdaad door hen bevrijd. Ze maakten daarna nog bijna een wereldreis alvorens thuis te geraken. Per trein naar Odessa in Rusland, dan per schip naar Cairo en vandaar naar Marseille, om tenslotte na een eindeloze tocht in België te belanden. Met een aantal Belgische krijgsgevangenen uit een stalag, een kamp voor niet-officieren, is nog heel wat anders gebeurd. Dat vertelt u iemand van het Waals Legioen. Ce sont des prisonniers de guerre sortant d'un stalag de Prusse orientale, des environs de Königsberg. Ces gens ont traversé plus de 80 kilometers de ligne russe et par hasard sont arrivés dans le secteur de la Légion Wallonie. Par hasard. Par hasard, hein, tout à fait par hasard. Hein. Et ils ont demandé d'eux-mêmes à être intégrés dans les rangs de la Légion. Et hebben ze dan de uniforme aangetrokken? Ils ont reçu l'uniforme, mais disons que par coquetterie, par esprit patriotique, ils ont gardé par exemple leur bonnet de police, le fameux bonnet à floche. Met een Waffen-SS-uniforme. Avec un uniforme SS. Dat moet nogal een zicht geweest zijn. Nous n'en étions pas à cela. Après, c'était la fin de la guerre. Ja. U is dan, die zijn dan mee, meegevoerd en naar, aan het Belgisch gerecht. Ils ont fait toute la retraite de Pomeranie, ils l'ont fait en notre compagnie. Hebben ze nog gevochten? Ils n'ont pas eu l'occasion de combattre, les combats étaient terminés. Ah, het was te laat.
Het einde van de strijd betekende voor tienduizenden krijgsgevangenen in Duitsland het einde van jaren opsluiting en afzondering van al hetgeen hun lief was. Het was één uitbarsting van vreugde. Voor de Duitse bewakers waren het begrijpelijkerwijze minder gelukkige dagen. Steeds meer geallieerde krijgsgevangenen zien de poorten hun kampen openzwaaien. In Stalag 11b waren 6500 man. Nu bevrijd door de Britse woestijnvlotten. Minstens 15 nationaliteiten waren in het kamp vertegenwoordigd. De mannen die 5 vingers opsteken, waren 5 jaar krijgsgevangen. In tenten die behoorden tot het hospitaal, waren mannen die de 800 kilometer van Silesië hadden gemarcheerd. 4000 deden de voetmars. Sommigen stierven onderweg. Na de aankomst werden er in de eerste 2 dagen 21 begraven in dit kamp, de Vallingbostel. In dezelfde omgeving werd Stalag 357 bevrijd, ook door de woestijnratten. Toen geallieerde troepen naderden, begonnen de Duitsers met het wegbrengen van duizenden gevangenen. Maar de meesten, zo niet allen, werden teruggebracht toen de nazi's zagen dat het hopeloos was. Nu is het bord omgekeerd, ja zeker. Boven de hoofden van de vroegere Duitse commandant en zijn kwartiermeester ziet men de geallieerde vlaggen. En de ex-gevangenen zien met genoegen de bewakers in het gevangen zetten. Het vooruitzicht is heel anders voor majoor-generaal Karel Veit, bevelhebber te Brunswijk. Hij werd gevangen genomen op het ogenblik dat hij wilde vluchten. Tot het einde toe gedroeg hij zich als een nazi. In ons volgend programma zullen wij ons onderzoek richten op de Vlamingen in krijgsgevangenschap en meer in het bijzonder op de Vlaamse beroepsofficieren die in het kamp de Tibor een culturele kring zijn gaan vormen. De luitenant De Windekring. Om zich als kleine minderheid tegen de Franstalige overmacht af te zetten. Zij herinnerden zich maar al te best hoe ze zich voor de oorlog in het Franstalig officierenmilieu voor hun Vlaams zijn hadden moeten inzetten om aan bod te kunnen komen. Nu, in krijgsgevangenschap en met de hulp van Duitsers van de Abwehr, durfden zij het heel wat radicaler tegen de Franstaligen opnemen. In de statuten van hun kring bewezen ze dat ze wisten uit welke nieuwe hoek de wind kwam. De hevige verwijten van de Franstalige legerleiding heeft het groepje Vlamingen dan maar op de koop toegenomen. Maar bij de cultuur zal het niet blijven. Tot volgende maand.